M-S-H. Lyon, Saint-Etienne. Le problème, c'est que t'es... Non, mais c'est simplement que je vais mettre l'enregistreur là pour pouvoir évaluer en temps réel, mais le micro posé au-dessus, quoi. Ah oui, oui, ah, pour oui, voir, d'accord. Oui. Voilà. Mais parce que sinon, moi, je peux me mettre entre les deux cloches. Ouais, mais là, tu vas... tu vas avoir... ça va te... Ah non, il faut mettre un casque. Bah non, je mets un casque. Je mets ça plus un casque. Parce qu'elle, elle frôle quand même, hein, là. Ouais, c'est surtout à droite, ouais, qu'il faut pas dépasser, quoi. Ouais, elle va passer, elle va passer. Elle va pas toucher, hein. Ok, bon, alors moi, je vais me mettre... Enfin, bon, normalement, ouais, ça devrait... Tu devrais être, ouais. Mais bon, là, tu vas être bien immergé, hein. Alors, par contre, le micro, le mets pas trop contre le bois. Non. C'est vraiment plus là. Là. Pour pas que t'aies de réflexion sur le bois. Par contre, il me faut un casque supplémentaire. Ouais, ça, je vais te passer le casque. L'expérience de la volée des deux bourdons en même temps, c'était bon, j'étais entre les deux sur les poutres qui sont au centre du beffroi. Et c'est vrai que je me suis portée volontaire pour tenir le micro parce que c'était la place que je voulais. Je voulais ressentir, mais réellement ressentir, à la fois la sonorité des deux bourdons, mais le jeu même du bois du beffroi. Ça fait partie des moments magnifiques.